Steffi, ma collection est sur le point de sortir. Je suis tellement inquiète et tellement nerveuse. Et je suis tellement stressée pour la présentation. Tiana, c'est pas la peine d'être aussi nerveuse. Tout va bien se passer. Tiana, t'inquiète pas, tout ira bien. On sait comment poser. Tu sais, on a déjà pris des cours pour défiler. Oh, les filles, vous me dites toujours de rester calme, que tout ira bien. Mais là, j'ai le pressentiment que quelque chose va mal se passer. Tiana, ton pressentiment est trompeur. Tiana, tout se passera très bien. Alors, on va sécher les cours aujourd'hui ou on fait comment? Nastia, on ne va pas sécher les cours. On discute juste d'un sujet important. Bon, les filles, allez, défilez devant moi. Je veux m'assurer que vous pouvez faire un bon défilé. Génial! Bien sûr qu'on peut. On va te le prouver. Notre amie doute déjà de notre capacité à défiler. Les filles, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchées contre moi. Je veux juste que ce soit parfait. Mais imaginez à quel point ça va être cool. Le podium et le public nous attendent. On a compris, le podium, le public. Diana, je peux te montrer mon défilé tout de suite? Ah, je vous adore. Allez, défilez, montrez-moi vos poses. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mal, les filles, mais je crois qu'après les cours, on devrait s'entraîner encore un peu plus. Diana, quoi? Diana, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Les filles, votre défilé était très bien, mais vous voyez, c'est censé être cool. Alors après les cours, on continuera à répéter. Pour ne surtout pas se planter. Exactement, les filles, pour ne pas se planter. Très bien, maintenant, on peut aller à l'académie. Et moi qui pensais qu'après les cours, on irait prendre quelque chose au café. Ça fait rien, on peut y aller après la répétition? Ouais, mais ça dépendra du temps que ça prendra. Timur, t'arrives à tenir? Oui, ça va. Les gars, arrêtez de jouer. On a un entraînement. Et vous vous comportez comme des gamins. Et Kirill, t'es fâché? Allez, Kirill. On ne fait que s'amuser, tu sais. Eh bien, vous vous amuserez après l'entraînement. Bon, Thomas, descends. En tout cas, j'ai pas encore oublié le basket. Montre-nous comment tu joues. Waouh, cool, Smile. Je ne comprends pas ce que tu fais ici, Smile. T'es la mascotte. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain de basket? Mets ton costume de lapin et saute comme un lapin. Les basketteurs, vous êtes sûrs de vouloir m'embêter? Vous avez oublié les mots des Bunny? Laissez-moi tranquille, ou vous le regretterez. Oula, c'est une menace? Il va y avoir une bagarre? C'est pas une menace, c'est un avertissement. Il me tape sur les nerfs. Un avertissement? Quel genre d'avertissement? Timur, frappe sa tronche. Et stop, ne vous battez pas. Ça va nous attirer des ennuis. Trop tard, il se tape dessus. Smile, allez. Smile, allez. Timur, allez. Allez, Smile. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Télécharge notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. Allô, arrêtez! Non, laisse-les! Que Smile sache enfin qui est le plus fort! Timur, allez! Smile! Smile a perdu, il faut qu'on appelle Stella! Allez, Timur, montre-lui ta force! C'est bon, c'est fini! Ce sont des lâches! Écoute, Smile, on n'aime pas ton attitude. C'est pareil pour vous, petits cons. Salut, les bunnies. Salut, les filles. Est-ce que vous allez vous entraîner? Ouais, on va s'entraîner. Ah, c'est super. Alors, bon entraînement. J'ai comme l'impression qu'elles veulent nous parler de quelque chose. Oui, les filles? Parlez, les basketteuses. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on se demandait comment ça se passait avec la mascotte. Tout va bien? C'est juste une relation d'affaires, non? Vous savez, l'équipe, Victoire... Aucune de vous ne sort avec lui? Oh! C'est une question inattendue, les filles. Et pourquoi vous nous demandez ça? L'une d'entre vous a un faible pour Smile? Écoute, Diana, Smile et toi, c'est fini, n'est-ce pas? On ne marche pas deux fois sur le même râteau, non? Tu l'as dit toi-même. Diana, c'est une question pour toi. Oui, Lorraine, c'est vrai. Tout est fini entre moi et Smile. Smile est juste notre mascotte. Ah! Eh bien, ça y est, c'est tout ce qu'on voulait demander. Stella, les basketteurs et Smile se battent. Je suis tellement ravie d'entendre ça. Quoi? Smile? Non, je n'y crois pas. Les basketteurs n'ont pas compris ce qu'on leur a dit. Je crois qu'il est temps d'aller les remettre à leur place. Les filles, on doit aller défendre Smile. Bien sûr, Lorraine. Je crois que je devrais aller me plaindre au professeur Mike. Je ne veux pas risquer de me faire frapper. Les basketteuses, où est-ce que vous allez? Nous, on va défendre Smile. Et vous? Nous, on va défendre notre mascotte.
Je suis tellement énervée. Pauvre Smile, il vient tout juste d'arriver. Les filles, c'est moi ou Lorraine apprécie vraiment Smile? On pense qu'elle l'apprécie, Diana. Les basketteurs! Mince! Smile, pauvre Smile, t'as besoin d'un coup de main? Eh bien, on ne faisait que jouer à la lutte. Oui, on jouait à la lutte, vous voyez? Les garçons, mais pourquoi vous mentez? Vous êtes stupides ou quoi? On vous a dit de laisser Smile tranquille. C'est notre mascotte. Est-ce que vous pourriez arrêter de vous comporter comme des idiots? Les gars, vous êtes idiots. Idiote toi-même. Et tais-toi. Les filles, c'est Smile qui a commencé. Ça ne se reproduira plus. Smile, tu as de l'herbe sur toi. Timur, tu vas voir ce que je vais te faire. Lorraine. Allez les filles, tout va bien. Dis-leur qu'on jouait. Smile, est-ce que c'est vrai que vous jouiez? Non, ils ont cherché la bagarre. Lequel? Tous, ils s'en prenaient tous à moi. C'est pas la première fois. Quel mouchard. Je vous ai dit de ne pas le toucher. Les gars, après les cours, je lui donnerai une leçon. Calme-toi, tu vois que c'est déjà fait. Merde, ce Bunny me gêne. Je meurs d'envie de lui faire un pansement, il a des bleus. Lorraine, mais pas aussi vite. Tu vas lui faire peur. Doucement, Lorraine, doucement. Allez, Smile, tu dois aller à l'infirmerie. On va te faire les premiers soins. Vous savez quoi, les gars? Encore une fois, vous nous avez beaucoup déçus. Cool, maintenant on va encore se disputer avec les filles. Les gars, est-ce que c'était cool quand je l'ai frappé? Oui, trop cool. Calmez-vous. Si vous osez encore vous approcher de Smile, je ne sais pas ce que je pourrais vous faire. Vous voyez un peu ce point? C'est le point d'Iron Man. Oh, Smile a beaucoup de défenseurs. Lorraine est amoureuse, mais les Bunny... Les Bunny protègent leur mascotte. Allons-y. On vous souhaite un bon appétit. Professeur Mike. Je mange pas, je bois du thé, les filles. Et comment allez-vous aujourd'hui, professeur Mike? Je vais bien, les filles. Et vous? Très bien. Professeur Mike, comment se passent les corrections? On a eu de bonnes notes? Oui, on a beaucoup étudié. On n'a même pas eu besoin d'Internet. Les filles, ne soyez pas ridicules. Je sais que vous avez regardé sur Internet. Écoute, Zosa, continue plutôt à faire frire tes gaufres. Je sais que vous avez triché. Professeur Mike, je vous cherchais. On a un problème. Quoi? Quel genre de problème? Stella, quel genre de problème? Professeur Mike, Sean et Zach sont arrivés en courant, terrifiés. Est-ce que Sean et Zach ont des problèmes? Non, c'est à propos de Smile. Les basketteurs l'ont battu. Oh, et Big était avec eux? Oh my god. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je ne sais pas s'il était avec eux. Sean et Zach m'ont juste dit qu'il y avait une bagarre. Bref, ils ont mouchardé. Ok, je m'occuperai de ça personnellement. Mais pourquoi Sean et Zach? Dénoncer les basketteurs. Ce sont des losers. Nos mecs sont des losers. C'est justement pour ça que Zach ne me manque pas. Sérieusement, professeur Mike, vous êtes trop calme. Vous devriez être dehors en train d'arrêter les garçons. Ce sont des gars. Ils se tapent dessus, ils se réconcilient, c'est comme ça. Non, professeur Mike, ça ne doit pas fonctionner comme ça à l'Académie Bunny. Pas de bagarre à l'Académie. Bien dit, administratrice Stella. Ça, c'est vrai. Pas de bagarre. Zouza, et nos gaufres? Elles sont prêtes? Elles mettent bien trop de temps à cuire. Les Kitty, vous avez eu les plus mauvaises notes au test. Quoi, hein? Mais est-ce que vous ne savez même pas tricher? Vous êtes stupide! Ne te mêle pas de ça, Zouza. Prépare nos gaufres. Petit beignet à la crème. Smile, je veux que tu saches qu'on t'a défendu juste parce que tu es notre mascotte. N'y voilà rien de personnel. Smile, est-ce que Timur t'a fait mal? Non, je vais bien. La trousse de secours? Nastia, s'il te plaît, soigne les blessures de Smile. Diana, pourquoi moi? Peut-être que Smile aimerait bien que tu soignes ses blessures au fond de lui? Nastia, c'est vraiment pas le moment de plaisanter. Smile a besoin de premiers soins. C'est bon, les filles, arrêtez de vous disputer, je vais le faire. Et voilà, c'est réglé. Quelqu'un s'est porté volontaire pour le faire à notre place. Fais-toi plaisir, Dana. Allez les filles, je peux le faire moi-même. J'ai juste le dos un peu égratigné. Le problème, c'est que les basketteurs ne supportent pas que je sois là. Ouais, je vois. Smile, ils vont s'y habituer. Aujourd'hui, on fera une petite séance de discipline avec eux. Alors t'as mal où, Smile? Ici? Hein? Dana, fais attention. Les filles, je sais ce que je fais. Smile, ça va piquer un peu parce que c'est de l'alcool. Ah ouais, je vois ça, un peu. Smile va devenir notre ami à partir de maintenant. Oui, on l'a défendu. Sérieusement? Oui, les basketteurs se sont battus avec lui et on a tout raconté à Stella. C'est pas défendre, c'est moucharder. Quelle est la différence? On l'a sauvé, hein? T'étais où, toi? Et qui a gagné la bagarre? Smile ou les basketteurs? On le sait pas, on était occupés à moucharder. Les gars, vous n'êtes pas cool, vous êtes malade. Sean, Zach, vous voilà. Écoute, Zach... Je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas moucharder. Il n'y a que les losers qui font ça. Sean, c'est fini entre nous. Je ne veux pas d'un petit ami mouchard. Les filles, pourquoi? On a fait quelque chose de bien. Ils ont pris la défense de Smile, les filles. Écoute-toi avec ton oreiller.
est-ce que c'est à toi qu'on s'adresse? C'est dingue comme cette fille est vraiment douée. Pour me faire péter les plans, je ne comprends pas comment elle a pu entrer à l'académie. Les Kitty, c'est bon. Sean, vu que ta copine t'a largué, tu peux sortir avec moi. Zenia, elle essaie de te voler ton petit ami. Ashley, redis encore une fois des choses comme ça et tu vas devoir courir très vite. Les trois Kitty te poursuivront jusqu'au bout du monde. Et jamais tu ne pourras nous échapper. Vous savez, les Kitty, je n'ai pas peur. Bon, assez. Changeons de sujet. Mario, qu'est-ce que tu allais dire? Je propose qu'on crée une nouvelle équipe. Quel genre d'équipe, hein? Tout ce que vous pourriez faire, c'est de créer une équipe de mouchards. C'est vrai que vous êtes très doués pour ça, les gars. Ne vous en mêlez pas. On va créer une équipe. Oui. Bien sûr. Allez-y, moquez-vous de nous, les filles. Bientôt, vous verrez que l'académie a une nouvelle équipe cool. Et c'est moi qui serai le leader. Je me demande si Stella sait que tu veux être le leader de quelque chose. Salut les gars, content de vous voir. Les gars, c'est quoi cette odeur nauséabonde dans la salle de classe? Oh. C'est l'odeur des toasts au brocoli d'Ashley. Je ne pense pas que ce soit des toasts au brocoli. Ashley, tu as oublié où sont les toilettes? On peut t'accompagner jusqu'à la porte. On ne supporte pas cette mauvaise odeur. Tu n'es pas seule ici. Les gars, je crois que je vais m'évanouir. Je ne savais pas que les brocolis dégageaient autant de gaz. Suis-je le seul à sentir ça bon? On dirait bien que tu es le seul, Zach. Alors, où sont les basketteurs? Ils doivent certainement se douter qu'on les attend. Ils ont la trouille et ils ont raison d'avoir peur. Au revoir, les filles. Au revoir, Stella. Au revoir, Zouza. Au revoir, Big. Ouais, les filles, vos petits amis se sont vraiment mal comportés. Vous devriez leur parler. Stella, c'est justement pour ça qu'on les attend ici. Les voilà. Salut, les filles. Alors, ça va? Les garçons, c'est la dernière fois que je vous mets en garde. N'embêtez plus Smile. C'est notre mascotte. Il faut vous y faire. Est-ce que vous avez oublié qu'on a des projets pour lui? Ça suffit, les garçons. Plus de jalousie envers lui. Vous n'avez pas encore grandi? Vous devriez peut-être retourner en maternelle? Ça, c'est vrai, Dana. Bien envoyé. J'allais dire exactement la même chose. Diana, on a compris. Les gars, nous aussi. Faites attention, les gars. Encore une fois, et on en aura terminé avec vous. Timur, je suis là pour discuter avec toi. Viens ici. Non, mais je comprends pas. Encore une autre bagarre? Les filles, les basketteurs ont bien compris. Pas la peine d'en rajouter. Vous vous comportez exactement comme eux. Ce n'est pas bien. Vous devriez aussi retourner à la maternelle. Exactement, Dana. Ok, d'accord. Timur, on en parlera demain. À mon avis, tout le monde devrait commencer à agir comme des adultes. On est dans une académie quand même. Ok Stella, tout le monde a compris. Tout est de ma faute, hein. C'est parce que Smile me tape sur les nerfs. Les garçons, j'espère que cette fois vous avez compris et que vous allez faire des efforts. Parce que maintenant, on doit défiler. Oui, on est en train de se préparer pour le spectacle. J'espère que ça ne se reproduira plus. Compris. Les filles, marchez avec précision et confiance. Dites-vous que ce n'est pas une répétition, mais le spectacle. Et que des millions de personnes vous regardent. D'accord, c'est parti. Vous avez hâte de voir ma nouvelle collection. Elle sera incroyablement cool et elle sortira très bientôt. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Et écrivez-nous en commentaire.